Yeah la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WWE. Et aujourd'hui, c'est le combat tant attendu face à Ava Moreno. Potentiellement, hein, j'imagine, vu qu'on a le logo, je pense que ça va déboucher sur un fight. On va lancer tout de suite la famille. On va voir un petit peu ce qu'elle va nous dire. Mais je pense très sincèrement, ça va être le moment du grand combat entre elle et nous. J'apprécie vraiment pas tes commentaires sur les réseaux sociaux, c'est pas la motivation qui m'intéresse. Et puis je me suis rendu compte d'un truc. Ok, vas-y, enchaîne. Enchaîner quelques matchs. Ça vaut pas des années de tueur. Ok, pas de soucis. Ouais, on n'a pas fait des très bonnes. Enfin, on n'a pas fait trop nos preuves. Hein. On a gagné ainsi, on a gagné un tag sur chez NXT. Et là, on a perdu le Royal Rumble caricatif. Enfin, on a fini 3e. Profiter de ton pedigree parce que tu manques de talent, rien ne m'empêche de le faire. Ok, vas-y. Donc, ça sent bien le fight, hein, j'ai l'impression. Having a match with you, LJ, will increase my standing in the eyes of the show. Pour les légendes, surtout quand je gagnerai. Ok, donc voilà. Elle est partante maintenant, ça y est, c'est bon, elle a arrêté de faire son boudin. Elle voulait pas trop se battre contre nous. Là, ça y est, elle paraît. Alors, bien évidemment. Oui, bah oui, quand même, je pense. Je suis partante. Voilà, c'est bon, parfait. On va avoir notre match hein, face à Ava Moreno. Là, très clairement, on va être motivé de fou. Alors lâche-toi parce que ce sera mon cas. Ouais, pas de souci. Moi, je suis ready de fou. Ça va être gros match là de prévu. C'est pour ça qu'on voulait garder ce match hein, en intro de vidéo. Ouais, moi je suis prêt. Ah, on est prêts, nous. Hein. On va régler ça sur le ring. Let's go. Par contre, faut pas perdre. Hein. Ruthless Universe, you know I'm not one for spoilers, but I have it on good authority. That the next episode of WWE's main event is going to be can't miss. So don't miss it. Et ça y est, on se retrouve sur la scène. Et c'est le main event de cette soirée, la famille. Nous face à Ava Moreno. C'est vraiment le combat qu'on attend depuis le début, hein, très clairement. C'est un peu notre première rivalité. Ava Moreno, elle a beaucoup parlé sur nous. Elle nous a beaucoup critiqué. Elle voulait pas se taper contre nous au début, en soi-disant on était éclatés, qu'on était là que par piston par rapport à la tata. Mais là, aujourd'hui, on a enfin ce combat. Et franchement, faut pas le perdre. C'est vraiment la première chose à dire. C'est il faut pas perdre ce combat. Si on le perd, c'est une catastrophe. En tout cas, on va aller voir vite fait après l'intro de Ava Moreno. Nous, la nôtre, on la connaît, donc on va un peu passer et on va voir ça. Dites-moi aussi hein, dans les commentaires si vous voulez ou non laisser les introductions des personnages, même si on les a déjà vus, exemple la nôtre ou quoi. Est-ce que vous voulez qu'on laisse, histoire que ça mette un petit peu de piment, on va dire, avant le début du combat ou voilà, ça vous, enfin, vous n'avez pas plus de préférence que ça, et peu importe. Et allez, nous, on est prêtes. On est prête à accueillir donc Ava Moreno qui arrive avec sa petite tenue de soirée. Ava Moreno, voilà, c'est le combat à ne pas perdre en ce début de carrière, j'imagine, très clairement. C'est une fille un peu comme nous, hein, elle veut un peu monter de rang à la WWE. Et aujourd'hui, c'est le main event, donc c'est le combat vraiment à pas louper pour toutes les deux. Malheur à la perdante, nous, on va être prêts. On va être déterminé dans ce combat. En tout cas, j'aime bien les petites introductions. Belle petite intro encore une fois, dynamique. C'est tout ce qu'on demande. Et on va être parti pour ce combat. Allez, let's go. Et allez, on se retrouve pour ce fight face à Ava Moreno. Défoncer Ava Moreno en lui infligeant une attaque lourde par prise. Ok, attaque lourde par prise, c'est parti. Donc on va avoir des défis dans ce fight, c'était une logique. Voilà, l'attaque lourde, elle est là. Let's go, baby. C'est joli là ce qu'on est en train de proposer. On va l'enchaîner un petit peu au début pour qu'elle perde un petit peu au hein, niveau du cardio. C'est un bel enchaînement encore une fois. Elle nous compte par contre. Voilà, là c'est contré. Qu'est-ce qu'il nous demande? Maintenir la pression. Ok, on va maintenir la pression. Donc maintenir la pression, ça va être de l'enchaînement. Voilà, le gros tombé derrière. Boum. Au niveau de la tête, ça va piquer un peu pour elle. C'est pas notre problème. Nous on va faire monter comme ça un peu notre barre d'ulti là. Ah là, on est en train de la martyriser. Par contre, niveau cardio, on est un peu... On est très bas niveau cardio, là. Donc, je me calme un petit peu. Oh, bien joué, là, par contre. J'ai pas réussi à contrer. Est-ce qu'il va nous faire un grand porté, ici, là? Oh, on va pas pouvoir contrer, ça.
Ouh, ça risque de faire très très mal, j'ai l'impression. Eh oui, ça nous laisse tomber. Non, par contre, non, pas ça. Ça, c'est pas possible, ma grande. Normalement, j'ai des petits coups de pied. Voilà, c'est bien. Ça permet de monter encore une fois un petit peu la jauge. Elle nous contre derrière directement. Oh, elle est très agressive là. Allez, le petit coup. Voilà, la petite tombée encore une fois. C'est bien. Ça fait monter la jauge. Oh là là, c'est joli ça. C'est très beau ce qu'on vient de réaliser, les gars. Allez, on va mettre un petit coup dans le ventre là. Non, non, elle nous a contré cette fois-ci. Allez, ça serait bien de pas se prendre. Ouh là là, on se prend encore un gros coup ici. Et on se prend. Elle va tenter encore une fois de tomber. Rope break, bien sûr. On est trop proche, ma grande. Ouh là là, ça enchaîne vite là. Ça enchaîne vite. Elle est en train de nous faire très très mal là. Et on n'arrive pas à sortir de cette situation. Là, on va peut-être pouvoir s'en sortir, non? Encore une fois, ça va être l'enchaînement au niveau des cordes. Ça va nous faire très très mal ici. Ah ouais, ça va. Elle est en train de nous martyriser. Là, ça serait bien de calmer un petit peu tout ça. Parce qu'elle, à un moment donné, elle va tenter de tomber. Oh là là, elle est en train de nous détruire, la famille. Elle nous détruit là sur ce moment de combat. Là, elle va retenter. Là, ça passe. Ça va être un peu plus compliqué, je pense. Ouais. Voilà, c'est bon. Simplement deux. Même pas deux. Mais par contre, là, il faut qu'on se relève, là, ma grande. Il faut qu'on sorte de cette situation très, très, très compliquée ici. Ouais, ça serait bien de contrer. Ah, là, on est en train de se prendre un mix de 10 000 actions, là. On s'en sort, hein. On s'en sort encore, hein. Parce que potentiellement, au niveau du cardio, ça reste raisonnable. Ouais, ça serait bien de sortir, là. Ouais, c'est une très bonne idée, ça. Très bonne idée. Par contre, faut sortir de là. Non, faut sortir de là. Oh non. Oh, c'est contré. Bien joué. J'ai bien vu la situation. On va revenir un petit peu sur le ring. On va chauffer un petit peu la foule encore une fois. On va attendre qu'elle revienne. Allez, ma grande, faut venir. Allez. Faut venir, ma pelle. Allez. Par contre, il est en train de compter. Là, on est à 8, non? Ah oui. Voilà, le coup debout, oh, ça lance une cinématique. WWE official, it was clearly an accident, Corey. But one that it looks like Ava is willing to take advantage of. Drop table onto the chair. A chair, a downed referee, and an opportunity. What's she gonna do? On fait quoi? Est-ce qu'on part en freestyle? On prend la chaise, on explose. Elle mérite, hein. Elle mérite de ouf, hein. Elle mérite qu'on lui mette un petit coup de chaise. Bah, allez, on est obligé, les gars. On est obligé. Elle faisait trop la maline. Je pense que ça va se retourner contre nous, hein, très clairement. I can't imagine either of these two women are terribly happy with the outcome. I don't know, Cole. Looks like Ava might be. And at the end of the day, it's still a W for her. Well, pretty pleased with how that match went. Je suis plutôt content de ce qu'a donné le match, mais tu m'as un peu douillé, ma grande. Vu que t'as triché. Sûr que l'arbitre t'a vu tricher, LG. But I didn't actually do anything. Ouais, mais on était vraiment parti pour, hein. On était parti pour l'éclater avec la chaise, hein. Pour savoir que les autres et dans lequel l'arbitre voit, on croit voir, ouais. Bah. Oui, non, mais je savais que t'allais pas être avec moi, hein, Molly. Il y a pas de souci, c'est pas grave, protège-la. Hein. What does that mean? I told you I would make the WWE universe stand up and take notice. You planned this from the start, didn't ouais, you? Nous a un peu pigeonné. Après, j'avoue, c'est bien joué. But I knew I had to use an opportunity against you to make a statement. Didn't go exactly as I planned, but lucky for me, you don't even know how to cheat, de ma victoire sur Little Vicky. On savait, hein, très clairement, quand j'ai pris la chaise, je savais que ça allait se retourner contre moi. Mais bon, c'est pas grave, vous voulez faire un peu de spectacle. C'était le match de main event qui a le plus buzzé dernièrement. Bah ouais, tu m'étonnes. Et pas qu'à la fin, vous êtes donnés tous les deux, ça a tellement fait parler que la direction veut un match retour. Pas de soucis. Oh là là, match retour, il va être incroyable. Laissez-moi prouver que je vaux mieux qu'elle. Oui, tranquille. En fait, faut pas paniquer là. Je te blâme pas, mais je dis pas que tu comptais pas utiliser cette chaise avant qu'Ava soit plus maligne que toi. Ouais, bah oui, ce sera sans disqualification. Alors attention aux entourloupes. Ouais, mais on voulait jouer un peu la bad girl. Ok, la famille, enchaînement direct. Hein. Je vous promets, la mif, je pensais pas.
On va voir ça tout de suite. En tout cas, ça c'est notre entrée, mais on va voir ça tout de suite un petit peu si ben, on rejoue ou pas contre Ava Moreno. Je comprends pas trop le délire là. Ça allait très vite en fait. Il y a pas eu de. Ils ont annoncé le match retour, certes, c'est une chose, mais je pensais quand même qu'il allait avoir des petites choses entre. On va voir donc rapidement si c'est bien Ava Moreno qui va rentrer face à nous sur ce ring. Et oui, j'ai bien l'impression. Et oui, la famille, let's go. On enchaîne donc directement. Le match retour face à Ava Moreno. Alors aujourd'hui, vous n'aurez pas un, mais deux combats face à Ava Moreno. Je ne comprends pas. Enfin, je trouve ça juste dommage. Ça s'enchaîne aussi vite. Il n'y a pas eu des petits trucs juste avant ou quoi. En tout cas, on enchaîne donc le match retour. Il n'y a pas eu de petit blabla ou quoi avant, juste avec Molly Holly et Ava Moreno juste avant. Mais voilà, on enchaîne donc directement le match retour. Cette fois-ci, pas d'entourloupe, pas de chaise, pas de dinguerie. On va juste essayer de gagner ce combat à la loyale. On était mal embarqué hein, dans le combat à un moment donné. On va voir maintenant aujourd'hui si ça va mieux se passer. En tout cas, c'est donc le match retour face à Ava Moreno qui s'enchaîne donc tout de suite. On va essayer de bien commencer déjà. Voilà, des petits coups sautés. Là, elle a un peu contré, j'ai l'impression. Mais voilà, un peu trop lente. Et on va essayer de faire, voilà. Bien jouer ça. Bel enchaînement ici. Allez, ma grande. Par contre, faut que je fasse vraiment attention au niveau du cardio. Oh là là, on peut lui faire très mal là au niveau des cordes. On peut lui faire très très mal au niveau des cordes. Et on va lui faire très très mal au niveau des cordes. Ouh là là, le gros coup ici. C'est un très très bon début de combat. Bah ouais, on est clairement pas content. Pourquoi nous contre là? Pourquoi tu nous contres? On va pas pouvoir contrer, non. On va pas pouvoir contrer. On va se prendre donc une petite spéciale d'Ava Moreno sur la tête ou sur le dos? Et sur le dos! Allez, là, on va essayer de se... On va essayer de se reprendre vite, là. Voilà, les bons coups. Voilà, le gros. Voilà, là, c'est bien, ça, c'est joli. C'est joli. On va tenter de tomber derrière. Je sais pas si ça va marcher, je pense pas. Hein. Rope break, bien sûr, on est trop proche. J'ai tenté, je voulais faire les petits coups au niveau des cordes, mais en tout cas, ça a été loupé. Et nous, derrière, on va se prendre un gros. Voilà. Oh là là, ça va faire très mal ici. On va quand même pas tenter de tomber directement, mais on enchaîne bien. Oh là là. Hein, on est complètement au-dessus, là, sur ce combat. On est beaucoup mieux parti que sur le combat juste avant. Ça, par contre, ça m'énerve que ça loupe. Mais ça m'énerve d'une force. Parce que derrière, on prend souvent tarif. Allez, on va essayer de se relever. On nous a un peu écarté les cordes, c'est mauvais délire ça. Alors autant une tombée, ça ne passera pas, j'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. En tout cas, ce combat, il est bien parti, il est bien parti. Voilà, on va l'enchaîner, on manque un peu de cardio, mais ouais, bel enchaînement ici. Let's go. Finisher chargé, on est ready. Pour le finisher, on va tenter même de faire après... La petite, on va tenter le tomber et je pense que ça va risque de le faire. Elle est paralysée, la petite paralysie, une fois, deux fois, ça ne fera que deux. Franchement, j'y croyais. Non, on peut pas nous enchaîner comme ça derrière. Enchaînement de patates dans la tête. Récupération instantanée. Par contre, niveau cardio, on est au bout de notre vie. Voilà, c'est bien, bel enchaînement ici. Et on va essayer de, voilà, calmer un petit peu le jeu. Récupérer un peu au niveau du cardio. Elle est clairement au bout de sa vie. Voilà. Non, ça c'est pas normal que ça touche pas. Heureusement qu'on compte derrière. On nous a contré aussi. Allez, ça serait bien de. Ah là 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 là, ça arrive de faire mal encore une fois. Et oulala, derrière. Ça va tenter à en tomber. Oulala, c'est quand même un peu plus serré que tout à l'heure. Hein, au niveau du timing à avoir. Donc vraiment faire attention là, de pas tomber dans son délire. Oh là là, ça enchaîne les prises hein, en tout cas dans ce combat. Ça lâche rien des deux côtés. Elle retente une tombée. Là, sois un petit peu optimiste, ma grande. On passe mytho. Nous, on est bien encore dans le fight. Allez, ça serait bien un petit contre à un moment donné. Voilà, c'est joli ça, c'est bien contré. Allez, voilà, c'est joli. Allez, on enchaîne là. C'est bien qu'elle tombe. Comme ça, nous, on va pouvoir récupérer un petit peu. Non, mais ça, c'est pas bon, ça. Ouais, elle nous provoque. Ah ouais, t'es comme ça. T'aurais jamais dû faire ça, hein, ma grande. T'aurais jamais dû faire ça, là. Là, tu nous as plus que vénère.
tu nous as plus que vénère et là on va faire finisher plus fin de combat, ça va être fini pour toi. Vu comment elle est rouge de partout, je vois pas comment elle peut tenir en fait. Très clairement, je vois pas comment elle pourra tenir. Voilà, on va faire le tomber. Et là, franchement, si elle retient, enfin, si elle, une fois, deux fois et trois fois, let's go. Voilà, bien sûr qu'on gagne ce combat. Bien sûr, la famille. Elle a cru quoi, elle? Bien sûr, on était au-dessus, on était complètement au-dessus sur ce combat. Et enfin, une victoire face à Ava Moreno. On va voir un petit peu maintenant si elle ouvre encore sa petite bouche. Voilà, bon, faut pas trop se la raconter. Hein. C'est peut-être à mon niveau quand je suis en petite forme, mais meilleur que moi, après on va compter, les on a égalité. Ça fait une victoire, une défaite chacune. Ouais, ouais, tranquille. Bah, par contre, on va pas enchaîner un troisième match tout de suite. Hein. Oui, oui, elle a pas tort. Ouais, non, je suis d'accord. Vraiment que j'ai un truc contre toi. Ce qu'elle dit est vrai du point de vue de la WWE, vous êtes à égalité. Tu vas gagner une fois que tout, il faudra un troisième match. En tout cas, c'est l'avis de la direction. Ouais, pas de soucis. Par contre, ne me le faites pas enchaîner direct, là, la famille. On va peut-être calmer un petit peu le jeu, attendre un petit peu et avoir un beau combat et un beau troisième combat. Voilà, au prochain millimètre. Hein, ils aimeraient vous faire passer pour le dernier match de SmackDown. Lourd. Lourd de ouf. J'ai l'air de plaisanter, non, elle plaisante pas, je crois de pouvoir lui rouler dessus à SmackDown, bien sûr. Calme-toi, on n'y est pas encore, oui, oh, oui, passage, le problème est déjà prédéfini, et l'emploi du temps est assez serré. Match à une limite de 5 minutes. Vous voulez au compte, bon, je vous connais de pas trop traîner, d'accord, 5 minutes, c'est short, hein. Ok, j'ai flippé, je vais pas vous mentir. J'ai flippé, j'ai cru qu'on allait enchaîner tout de suite le combat. En tout cas, la famille, on va se quitter ici pour cette vidéo. Deux combats, donc, vous aurez eu face à Ava Moreno. Une lose, une win. C'était lourd, franchement. J'ai bien kiffé. En tout cas, on se retrouve très vite pour voir un petit peu tout ce qui va se passer. Et le troisième, bien sûr, la belle, on va dire, entre nous et Ava Moreno à SmackDown. En tout cas, sur ce, portez-vous bien. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, les mecs, n'hésitez pas, toujours le petit like, ça fait plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.